Alors, l'autre, il y a une autre question que je me pose. Comment aurait été ma vie sans cela? La suite des événements. Si ce truc-là, cet événement-là, ça a duré une nuit, quoi, bon. S'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'il y aurait eu des choses fondamentales de changer ou pas? Ben, peut-être pas, finalement. Mais j'en sais rien. C'est vrai, on parle souvent de l'effet papillon. Un petit truc arrive et puis tout le cours d'une vie peut changer, voire plus. Bon, c'est vrai, je pense que ça peut exister. Mais finalement, je peux absolument pas imaginer quelle aurait pu être la différence si cela n'avait pas été, ne s'était pas passé. Je peux pas dire que ma vie aurait été plus joyeuse. Pas forcément, hein. J'en sais rien en fait. Alors, quand je repense à mon violeur, bon, c'est vrai qu'on parle de MeToo, tout ça, bon, on l'écrit noir sur blanc sur le papier, voilà. C'est quelque chose d'assez récent, bon, je veux dire, je trouve ça bien, hein. Oui. C'est des choses qu'on garde longtemps pour soi, et un beau jour, il faut que ça sorte, et il faut aussi le faire savoir. Voilà, donc finalement, là, je fais un espèce de MeToo personnel, quoi, bien après l'heure. Bon, peut-être encore un peu dans la vague, hein, j'en sais rien. Oui, peut-être que finalement, ça m'aurait influencé. C'est possible. Bon, alors je disais donc, moi je voulais dire, quand je repense à mon violeur, qu'est-ce que ça me fait? Et ben finalement rien du tout. Comment dire? J'étais tellement bête. J'étais jeune. Vraiment dans une naïveté pas possible, quoi. Je faisais confiance. Le type, il devait juste m'héberger en fait. J'étais coincé, j'étais en plein milieu de la nuit, j'avais plus de transport, vraiment. Voilà, en fait. Je l'ai cru jusqu'en haut d'escalier, jusqu'à ce qu'il ferme la serrure là. En fait, ça c'était. Il a carrément changé de visage, enfin oui, bon, voilà. C'était quelqu'un d'autre, bon, ouais, tout sympa, ouais, bon, je vais te dépanner, t'inquiète pas, la main, bon, voilà. Mais je ne lui en veux pas. Parce que c'est de ma faute. Ben oui, non, mais on va me tomber dessus. On va me dire, ça n'excuse en rien. Ben bien sûr, ça n'excuse en rien, d'accord. Je suis d'accord, mais quand même, quand même. Faut être vraiment. Faut vraiment pas être net pour accepter ça, quoi. Voilà. C'est comme quand on se fait agresser, quoi. Enfin quoi, non, quoique, c'est pas la même chose. Quand il y a de la méchanceté, on peut en vouloir aux gens. Mais lui, je crois que c'était simplement bon, un esclave de sa libido, hein, comme il y en a. Hein. Ben, les violeurs, bon, moi j'ignore tout de lui, je sais, ben, il m'a rien raconté quasiment. Bon, il voulait tirer son coup, il voulait, bon, bref, ben, bon. C'est pas excusable, effectivement, le viol, c'est un délit. Bon, ça, je suis bien d'accord. Mais, j'arrive même pas trop à lui en vouloir. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose. Pas, je vais pas militer. Enfin, je sais pas. Si, je veux bien militer par rapport à ça, dire mon témoignage, mais comment dire, je n'ai pas la haine en moi suffisante pour être convaincante là-dessus, quoi. Voilà. Il y a des tas de femmes qui, franchement, qui expliquent beaucoup mieux que moi, qui font sortir leurs émotions, qui, je sais pas comment dire, voilà, qui traduisent bien tout ça. Mais moi, j'y arrive pas. Moi, je me suis pas mal détaché quand même de ça, quoi. Voilà. La preuve, c'est que j'en parle. D'ailleurs, j'étais même pas sûr. Je pensais que j'aurais pu même pleurer en cours de route. Enfin, bref. Ça ne s'est pas produit. Voilà, bah tant mieux, peut-être. Ouais. Bon, voilà, ça veut dire que finalement je suis peut-être guéri, mais bon.
pas tant que ça. Tout de même, on ne guérit pas de la violence quand même, quelle qu'elle soit. Que ce soit la violence verbale, la violence physique, la violence psychologique. Est-ce que je peux dire que j'ai guéri d'une éducation à base de coups de ceinture et de martinet? Je ne sais pas. Ça peut être traumatisant. Ça aussi, c'est un délit. On n'a plus le droit de faire ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant, eh ben, c'était quand même très violent, que c'était traumatisant. Voilà. Il y a plusieurs choses comme ça. J'ai déjà été, bien sûr, insulté, agressé physiquement. Je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs fois. Bon, voilà, il y a plein de choses qui font que des traumatismes, on en vit plusieurs dans sa vie. Mais finalement, celui-là, pas plus qu'un autre. Disons qu'il est particulier pour moi. Voilà, ça s'est produit qu'une fois, enfin une fois. Bon, j'en reviendrai peut-être à une autre fois, peut-être deux fois. L'autre avec une femme. Bon, enfin bref, ce sera un autre sujet. Voilà, donc finalement, je ne sais pas si je suis guéri, mais peu importe finalement. Peu importe, l'important c'est de pouvoir vivre sans ça, en l'acceptant. Bon, donc la dernière étape, hein, l'acceptation. Est-ce une acceptation complète ou non? J'ose, je pense, j'aimerais penser que oui, mais on n'est jamais sûr. Parce que l'inconscient, bon, c'est l'inconscient, on ne sait pas tout ce qui se trame là-dedans, quoi. Si ça se trouve, j'aurais dit ça à un psychanalyste. Ah ben lui, il m'aurait peut-être dit tout un tas de trucs, il m'aurait peut-être dit, il m'aurait peut-être expliqué un tas de choses par rapport à ça. Hein. Bon, encore faut-il croire au psychanalyste aussi. Bon, c'est encore autre chose, quoi. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que l'inconscient gère tout ça, gère les éléments traumatiques à sa façon. Il gère ça pour qu'on en guérisse quand même. Le cerveau fait son travail. Je sais, il peut tourner en boucle. Il y a des choses quand même qu'il a du mal à faire. Quand on repense trop fréquemment à des choses traumatiques ou pas, quand on a des obsessions, moi ça m'arrive, hein, même quelquefois une simple insulte, un comportement méprisant à mon égard, n'importe quoi, mon agression du mois de décembre, c'est pareil. Voilà, ça tournait en boucle dans ma tête pendant un certain temps. J'y repense encore, j'y repenserai encore, j'y repenserai toute ma vie. Mais le cerveau, quand même, gère ça pour qu'on puisse ne pas être trop handicapé par ça. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet. Je parlerai du deuxième sujet, peut-être. Ça, c'est plus récent quand même. Hein. Donc le viol par une femme, là, c'est beaucoup plus récent. Donc, est-ce que je vais réussir à en parler comme je viens d'en parler de cette histoire? J'en sais rien. On verra. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.